Brighton. Merci. Sébastien battu, mais il fait quand même un truc, ton cheval. Bah, il est parti au galop encore une fois, donc j'espère qu'il ne va pas prendre le coup de ça. Puis après, Eric était gentil avec, il a couru pour le cheval, il a fait que les 100 mètres pour finir. Et puis je pense que s'il a le bon parcours, on aurait gagné, parce que pour finir, le gagnant ne me paraissait pas top comme ça. À moins que, bon voilà, peut-être que je s'en ai plein les mains, mais il ne me paraissait pas top. Ouais, et puis le tien a trouvé l'ouverture tardivement pour finir. Voilà, ouais. S'il fait peut-être tous les extérieurs en les tournant, peut-être qu'on a le temps de revenir. Inquiété peut-être le premier, mais vraiment c'est un bon poulain, donc il prouve qu'il fait partie des meilleurs, et puis je pense que ça devrait faire. Cet hiver c'est un espoir celui-là, il va continuer de courir les bons. Ouais. Bah, en plus c'est un 4 sur le premier, donc on va peut-être gagner, mais je veux dire c'est un bon poulain, et il a gagné la première course de poulain en finissant très vite, c'est un cheval qui est léger, qui ne paye pas de mine, mais aujourd'hui il était bien d'allure, donc on avait mis une barre en chaîne à gauche. Et je pense qu'il a une sacrée pointe de vitesse pour finir. Est-ce que c'est ton meilleur poulain ? Oui, le plus précoce. Voilà, le plus fit et le plus précoce. Maintenant, après, est-ce qu'il va durer longtemps ? Mais c'est un cheval qui peut faire au moins une bonne année encore. Franck Consul, troisième puis deuxième. Est-ce que tu es satisfait de sa performance ? Ben disons que dans la drive, il n'y a rien à reprocher. Le cheval était vraiment dans un bon parcours, dans un grand jour. Maintenant, j'ai pensé finir plus vite que les autres. Il est resté à sa vitesse. C'est un cheval qui a besoin d'apprendre, je pense, et bon, le cheval à Sébastien Garato, deuxième et gagnant à la fin, était au-dessus de nous. J'aurais pu lutter, il n'a pas été excessif pour le sprint. Et est-ce que tu as des excuses à lui trouver ? Non, à part les oreilles plus ou moins bouchées pour un jeune à cet âge-là, il faut mieux prendre des précautions, mais sinon j'ai cette marge-là, quoi, c'est tout. Donc prochain rendez-vous, peut-être un débouche-oreille ? Débouche-oreille ou une petite paire d'œillères qui rabatte, ça dépend du humeur de l'entraîneur. What can I do ? I'm addicted to you, to you. To you, oh, I'm addicted to you, to you. I don't know just how it happened. I let down.